Mesdames et messieurs, sous la supervision d'Ariel Dimigatier, le réalisateur du jour, voici l'émission Tam Tam, votre chronique musicale de chaque dimanche sur Télécom. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve donc pour cette émission qui parle de l'actualité musicale, qui parle de la musique en général. Beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, un seul invité, c'est monsieur Patrick Decugis, qui est le représentant de Laetitia Céleste. On va le recevoir tout à l'heure. Bonjour Patrick. Bonjour Benoît. Il viendra donc nous parler de Laetitia Céleste, de son activité, puisqu'elle arrive très prochainement à Brazzaville pour faire la promotion de son album Elle, qui est une Congolaise de la diaspora qui fait de la musique en France. Nous vous parlerons de plusieurs anniversaires qui pointent à l'horizon. Cosmos Mutare qui fête ses 40 ans de carrière musicale. SOS Salsa qui fêtera les 20 ans d'existence du groupe. Et également Kim Doulé qui fête ses 50 ans de carrière, c'est très prochainement. Nous avons été le visiter et il a chanté pour nous une chanson de Jamais Kolonga, Jamais Kolonga, un ancien, un vieux de la vieille qui est mort. On l'a appris cette semaine, c'était beaucoup plus la semaine passée, on l'a appris donc la semaine passée. Jamais Kolonga est mort et Kim Doulé nous a interprété puisqu'on était chez lui là-bas à Mukondo. Il nous a chanté une chanson de Jamais Kolonga et je vais vous la proposer tout à l'heure. Et bien sûr, je vous proposerai quelques clips. J'ai reçu un clip de BG One, congolais de la diaspora également. Je vais vous le proposer tout à l'heure. Et la semaine passée, on avait reçu des Américaines ici dans ce studio. C'était un élément qui n'avait pas pris beaucoup de temps, mais on avait fait une petite production juste après l'émission. Je vais vous présenter l'interview en intégralité de ce qu'on a fait avec ces Américaines. Et bien sûr, on parlera du big, le géant de la mode, Christian Binal, notre partenaire. Nous sommes habillés aujourd'hui aux griffes de Christian Binal. C'est Christian Binal qui nous a habillés aujourd'hui, des chaussures jusqu'à la veste. On reviendra sur Christian Binal, le géant de la mode, qui ouvre des boutiques à Dolisie, à Pointe-Noire et bientôt en Angola, grâce également au président Nduna Le Feu, qui a donné les locaux à Dolisie et à Pointe-Noire pour Christian Binal, grand mécène également de la musique. Moi, on revient sur tout ça, mais pour l'instant, je vous propose un clip que j'ai reçu. C'est Melo S. Melo S, il a cette particularité, c'est de faire des clips bien et de chanter des chansons qui sont agréables. Il a son style à lui. Beau clip, des chansons qui sortent un peu de l'ordinaire, mais des belles chansons. Je vous propose pour votre plaisir, pour le plaisir de M. Jean-Noël Tungana Ankaï, tout le fan club de l'émission Tam Tam Ankaï, ce clip Abat le fusil. Abat le fusil, donc Melo S. Dans la société, de mes rimes, j'exprime tout ce qui m'énerve. Et pourtant, ce sont les choses que la vie nous réserve. Par-dessus et contre tous, nous ne voulons plus la guerre. Pour que tu comprennes, Melo S, que la paix nous est chère. La violence, l'injustice, car ça n'est insoutenable. Dan Gat, Melo S, pas plus le Vénis. Abat, fusil, abat, jalousie, abat, hypocrisie, tous pour la poésie. Abat le fusil, abat la jalousie. Des fusils comme étant un diable assez aisé pour la guerre et non la paix. Pour la fin, casse le refrain. Pas de thunes, vive donc dans ce butu de tout reste. En souci, partant, c'est infini, assis et tout en dit. Alors que faire de ces terres où tout le gène calvaire? La voleur se fout en l'air. Pour ça, je dis rien que de pain fait de l'autre. Cinq chats qui fument le store. Ainsi, les acteurs s'éprennent des créateurs. Mais pour qu'on en s'aime donc, si ce n'est que toi qui. Melo S qui nous chantait donc là, Abat le fusil. Vous avez vu la qualité des clips, c'est ça qui particularise Melo S. Il est très fort en clip, il est également très fort dans
sa composition, il a des thèmes qui sont particuliers et qui sont particulièrement bien. J'ai oublié en ouverture de l'émission, c'est de féliciter Télé-Congo. Je vous présenterai les images la semaine prochaine. Nous avons fait une grosse production ici à Télé-Congo, dans la salle de spectacle de Télé-Congo. Nous avons supervisé, en ce qui nous concerne, le tournage de RTL Trace Musique dans les studios de Télé-Congo. Vous allez voir les images, la qualité des images dans les prochaines émissions. Télé-Congo a battu un travail digne de ce nom. Ça prouve qu'on peut également, nous, faire des superbes émissions. Je vais vous poser ces images la semaine prochaine, juste le temps de retirer quelques bribes donc, pour vous présenter. Donc, en ce qui concerne RTL Trace Music Star, la gagnante parmi les 5 finalistes, c'est la candidate Baz. Baz a donc gagné son passeport rouge pour aller représenter le Congo à RTL Trace Music, la grande finale panafricaine au Kenya. On reviendra sur ce dossier. Si tout va bien, elle peut également venir dans cette émission. Alors, je disais tout à l'heure, plusieurs anniversaires pointent à l'horizon de nos musiciens. Il y a Cosmos Moutoiré, je l'ai dit, 40 ans de carrière musicale, c'est pas peu. Je l'ai croisé la fois passée, il m'a dit qu'il le fêtera probablement entre mars et avril, 40 ans de carrière. Romain Gardan, SOS Sassa, fêtera les 20 ans d'existence de l'orchestre SOS Salsa. C'est également cette année, c'est un programme qui est en vue, il est en train de chercher financement, mais tout ce monde est en train de chercher financement pour ses anniversaires. Nous avons justement une image lors du plus grand cabaret organisé par SOS Salsa à l'IFC Institut Français du Congo. Cosmos Moutoiré a justement chanté avec son fils Romain Gardan. C'est ces images que je vous propose, donc le bœuf entre Cosmos Moutoiré et Romain Gardan à l'IFC dans le plus gros cabaret, le plus grand, c'est le plus grand cabaret de SOS Salsa, le plus populaire et le plus célèbre des groupes de salsa en Afrique et probablement pas, pourquoi pas, dans le monde. On suit donc SOS Salsa, 20 ans de carrière musicale cette année, et Cosmos Moutoiré, 40 ans de carrière musicale cette année également. Sponsor, à vous l'affaire, saisissez-vous également de l'affaire pour faire de ces anniversaires des superbes événements. Il nous faut des superbes événements dans notre pays. Allez, on va suivre ces images.
Le plus grand cabaret ambulant d'Afrique, SOS Salsa et Cosmos Mutuari à l'Institut français du Congo, c'était en mai 2014. En tout cas, 40 ans de carrière musicale pour Cosmos Mutuari et 20 ans d'existence du groupe SOS Salsa. C'est cette année, mécène, sponsor, à vos marques après partez. Allez, je reviens donc à Laetitia Céleste avec Patrick de Clugis qui est avec moi ici sur ce plateau. On va parler de Laetitia Céleste. C'est encore possible ? C'est encore possible ? C'est encore possible. Bonjour. Bonjour. Alors, Laetitia Céleste est née sur le marché du disque. Cet album, c'est encore possible. Parlez-nous-en. C'est un album de 9 titres. Mais enfin, parlez-nous-en, puisque vous qui êtes là, vous êtes venu pour la représenter. C'est quoi son programme? Qu'est-ce qui est prévu? Dites-nous tout sur cet album. L'album, c'est encore possible. C'est un produit de témoignage. Vous parlez un peu plus il fort. Il s'agit des témoignages pour réconforter les personnes qui sont dans la détresse. C'est une parole de foi et d'espérance. Donc, c'est encore possible. Alléluia. De Laetitia Céleste. Elle est en France en ce moment en tournée. Elle prépare son arrivée sur Brazza d'ici fin avril pour partager ses talents, ses dons au peuple congolais. Et aussi, l'album est disponible au Congo depuis le lancement officiel le 20 décembre. Ça, c'est au niveau de Paris. Et au niveau de dès janvier, il y en avait ici. Il y a 5 points de vente au Congo Brazza, dans Patmos à Potopoto. Il y a aussi le bazar de Beni à Wendy. Il y a Christ Boutique. Arrêt Congo Pharmacie, Carmen Boutique, ça se trouve au niveau de l'OCH, et la librairie chrétienne, plutôt plateau de 15 ans, et la librairie, librairie Pain de Vin, face de CHU. Il y a aussi à Pointe-Noire, Nafi Shop, qui se trouve dans le quartier de Mvouvou, donc près de la pharmacie là. Donc elle est en tournée. Au niveau de l'Europe. Elle arrive fin avril et aussi avec des nouveaux clips. Et qu'est-ce qui est prévu justement pour cette venue ? Pour cette venue, elle va venir se présenter elle-même parce que c'est une artiste qui est partie, ça fait quelques années en Europe et elle revient avec C'est encore possible. Elle est du groupe Wisdom Classic à la base. Et là, elle revient en solo avec C'est encore possible. De dire que c'est pas parce qu'elle est partie qu'elle a oublié tous ceux qui attendent ce qu'elle a en tout cas promis. Okay, d'accord. Donc on retient qu'elle revient au mois d'avril. Il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues. Conférences de presse, probablement quelques productions, d'après le contact que j'ai eu avec elle au téléphone. Hein. Exact. C'est un peu ça. Donc il y a conférences de presse, il y a un certain nombre de productions. Mais est-ce qu'elle sera accompagnée par un orchestre? Est-ce qu'elle a des visions? Elle a cette visée-là ici au niveau de Brazzaville? Vous savez, l'album a été fait ici au Congo. Oui. Ça a débuté au Congo. Donc elle sera accompagnée. Elle sera accompagnée et elle va se produire dans les églises comme elle est en train de le faire en ce moment en France. Aujourd'hui même, je l'ai eu ce matin, elle est à l'église Bethel, donc je salue le pasteur Evariste Zangnaba qui la reçoit ce matin. La semaine prochaine, elle sera dans d'autres assemblées et ainsi de suite. Et c'est ce qu'elle va faire ici au Congo quand elle va arriver. Et donc, vous pouvez, ceux qui n'ont pas encore l'occasion de la rencontrer ou de la voir sur scène, pourront venir. Le programme sera donné. Il y aura une conférence de presse dès qu'elle sera arrivée. C'est pour ça que je suis là, pour organiser, préparer son arrivée et parler d'elle aussi auprès des nations qui attendent. Parce qu'on reçoit des coups de fil, on reçoit des messages par des réseaux sociaux pour demander comment est-ce qu'on peut avoir la sœur Laetitia, où est-ce qu'on peut se procurer, quand est-ce qu'on va l'écouter. Et tout ça
vous aurez l'occasion, ceux qui sont à Brazza et les villes aux alentours, la possibilité de l'entendre, de la voir sur scène d'ici fin avril. Mais nous vous remercions d'être venu dans l'émission pour parler de la sœur Laetitia. Vous avez peut-être un petit mot de la fin, comme ça on va suivre ce film en intégralité. En tout cas, elle remercie tous ceux qui la soutiennent, de près comme de loin, et tous ceux qui la suivent. Okay. Donc, tout l'équipe de Brazza, l'équipe de l'Europe et toutes les télés qui parlent de cette musique parce que on a besoin de tout le monde. Ok, je rappelle que vous êtes Monsieur Patrick de Pugis. Vous êtes donc c'est vous qui représentez la sœur Laetitia Céleste ici au niveau de Madrid dans toute l'organisation. Merci d'être passé. On va suivre donc un des clips de ce DVD qu'on rappelle, qui est sur le marché du disque actuellement, ici sur la place de Brazzaville. Donc suivant un extrait de ce clip. Merci beaucoup d'être passé. L'alimentation électrique. Les Catani. Ah, ok. Allez, nous continuons cette émission. Vous allez nous excuser. Un petit problème technique nous a poussé donc à être complètement distrait dans cette émission. Nous allons donc continuer avec, cette fois-ci, pour mettre un peu de la gaieté dans cette émission, nous avons reçu un nouveau clip. Ce clip est sous le label One Black Label, c'est BG One qui est également au niveau de la France qui roule sa bosse là-bas, BG One qui fait de la bonne musique, juste pour faire une transition entre les éléments que nous allons avoir tout à l'heure et ce que nous venons de dire avec Laetitia Céleste. On suit donc BG One, il est produit sous le label One Black Label et ce titre il est provocateur, BG One pète les plombs. À la maison pète les plombs, au bureau on pète les plombs, on boit de nuit, on sent jaille. DJ pète les plombs, serveur pète les plombs, tout le monde pète les plombs. À la maison pète les plombs, au bureau on pète les plombs, on boit de nuit, on sent jaille. DJ pète les plombs, les clients pètent les plombs, tout le monde pète les plombs. Dans la rue, dans le métro, je constate que tout le monde déprime, tout le monde craque, tout le monde pète les plombs. En putain de son de ouf, mets-toi bien pour se défouler. Sur ce son, on est tous de ouf, pose pas des questions. Il a trop picolé et il danse, danse de Tintin. Bouge ta tête dans tous les sens, ça se danse comme ça. Si tu veux te déstresser, ton bien c'est vas-y, call me. Si tu veux que je dors chez toi ce soir, vas-y, dis-le-moi. À la maison, pète les plombs, au bureau, on pète les plombs. On boit de nuit, on s'en jaille. DJ pète les blancs, serveur pète les blancs, tout le monde pète les blancs. À la maison pète les blancs, au bureau on pète les blancs. On...